die Frage, ob ich jemanden mit meiner Musik ansprechen will, stellt sich für mich gar nicht. Es ist so wie in der wissenschaftlichen Forschung. Man versucht, ein Problem zu lösen aus Interesse an der Sache und kümmert sich nicht um den praktischen Nutzen. So ist auch die Frage, ob jemand das braucht, was ich mache, unwesentlich. Ich lebe heute und hier, bin ungewollt Teil einer Kultur und was ich produziere, wird sich mit der Zeit durchsetzen oder nicht. Man kann die Relevanz eines Kunstwerkes für eine Kultur erst im Nachhinein beurteilen. Kilviria était un pays surréel, impossible. Peut-être il y a seulement des nuages, peut-être seulement des lumières, des monstres. J'ai dessiné beaucoup de cartes des villes, des régions, des îles. J'ai inventé une langue kilvirienne, j'ai inventé toute une société utopique. C'est le paradis du peuple. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un peu un paradis, mais c'est un paradis qui ne fonctionne pas. C'est un peu aussi un symbole des anciens pays de l'Est de l'Europe. J'ai eu 3 ans, j'étais dans la petite ville hongroise dans les Carpates. Ma tante a vu que je n'aime pas les araignées et elle m'a forcé que je prenne avec ma main les toiles d'araignée. J'ai eu énorme peur, mais elle était là et elle m'a forcé. Quand j'étais petit enfant, c'est à Dice-Saint-Martin, du centre de la Transylvanie. C'était une très petite ville de 5000 habitants, où en hiver, quand j'étais là, il était même des loups qui ont venu dans le village. C'était assez dangereux. Là, on a écouté beaucoup de musique, mais seulement de tzigane. Si je peux reconnaître ma ville natale, c'est totalement changé. Les cloches sont les mêmes. Écoute, les cloches sont les mêmes. Oh, c'est fou. C'est la synagogue, ça existait. Et je suis né à gauche de ça. Oui, je suis né dans ces maisons. C'est pas changé. Vous avez photographié le grenier de maison où je suis né. J'étais petit enfant. C'est pas changé, c'est la même chose. Les toiles d'araignée, c'est un peu chaotique aujourd'hui. C'était plus ordonné, mais avec plein de toiles d'araignée et tout ça. Et beaucoup de fois, je ne voulais pas voir. Avec 5 ans, j'étais très introverti. Je lis beaucoup depuis que j'étais 3. J'ai plein de livres et
Mais livre des enfants, les contes Mille et une nuits, toutes les contes, surtout les contes, grande collection des contes hongroises et des choses allemandes. J'ai lu aussi l'allemand, même j'ai parlé très mal allemand, mais je pouvais lire. Et je ne sais pas comment, par une erreur, quelqu'un m'a donné un livre des histoires, des, on dit nouvelles, des nouvelles de Crudy, qui est absolument pas permis pour les enfants. Peut-être le titre, je ne me souviens pas du titre. Et donc, et je lis ça dans le grenier, on était avec 5 ans, et je suis triste, et quelque chose est totalement... C'était une tombe de grande mélancolie. Et dans la nouvelle, il ne se passe rien. Le temps est immobile, le paysage est immobile, ça ne change pas. Et dans une maison totalement seule, vit une veuve. Son mari était météorologue, chercheur, quelqu'un. Alors, il a laissé pour la veuve toute maison pleine avec des appareils. Il était beaucoup d'horloges, il était des baromètres, hygromètres, des choses de mesurement. La veuve, peut-être, elle vit toujours et les horloges font le tic-tac toujours. J'ai écrit après des pièces mécaniques. La première était en 62, la pièce pour 100 métronomes. C'est clairement influencé par cette vision de beaucoup, beaucoup de des horloges qui battent au même temps dans des différentes pulsations. C'est décrit chez Crudy comme une image, comme un symbole pour le temps qui est mesuré mais qui est totalement statique. Chez OK Game, j'ai trouvé une musique totalement statique. Il n'y a aucun point culminant et les voix sont la combinaison des voix dans cette polyphonie. Ça donne une. C'est comme un courant continu. Écouter toute la pièce pour se rendre compte que même si ça change, la totalité est statique. J'étais fou de OK Game. Beaucoup plus tard, en West, quand j'ai écrit mon Requiem, c'était totalement, totalement influencé par la technique polyphonique de OK Game. Ce sont comme les vagues. Parfois, dans le mer, il y a une... On dit vague, qu'il y a comme ça... que les voix se combinent dans une façon qui donne un courant musical continu.
C'était un certain moment, en hiver 50, je suis seul sur les rues de Budapest. J'ai une certaine vision, on peut dire vision, mais c'était acoustique, de nouvelle musique qui n'a pas mélodie, n'a pas rythme, n'a pas harmonie. C'est totalement statique, mais ça se commence de se changer. Et là, c'était le moment, c'était en 5 ans. C'était une pièce que vraiment j'ai composée seulement dans la pièce qui s'appelle Vision, en 56, qui est la partition, je ne trouve pas, mais que je le recomposais, c'était Apparition. Et vraiment, le développement final, c'est Atmosphère. Comment noter une partition qui est continuelle, la musique continuelle, et coordonner les différentes voix? Et ça, c'était ma difficulté. Et en 56, dans un certain moment, j'étais inspiré avec beaucoup de tableaux de Paul Klee et chez Klee, il y a un dessin, c'est une image, on peut dire, continuelle, parce que tout est plein avec de petits, et ça mouve, mais la totalité et statique. Ce gravure de Klee qui m'a donné le Klee, comment je peux réaliser une musique continuelle mais polyphonique en même temps. Et je me rends compte, mais je peux laisser les lignes de mesure comme orientation. Les mesures et les sous-divisions des mesures sont seulement des indications pour synchroniser les différentes voix, il ne représente pas une métrique, une pulsation. Il rêvait toujours d'une musique absolument statique, même dans sa jeunesse. C'était un peu drôle pour nous parce que nous étions élevés dans la connaissance des grands maîtres, donc de Beethoven, de Mozart, de Bach, où la musique est toujours vivante et toujours développante. Et lui, il rêvait d'une musique absolument statique. Une musique qui ne bouge pas. Il faut avoir qu'en 1956, nous étions tous très jeunes. Un jeune compositeur est toujours influencé par quelques maîtres. Donc dans les compositions de Ligeti, c'était justement l'influence de Bartók et de Stravinsky, peut-être aussi l'influence de Schoenberg. Il fera d'aller son premier quatuor, qui était composé ici encore à Budapest et avec lequel il est sorti. Et même maintenant, c'est une composition valable, malgré les influences qu'il y trouve. Ce que j'aime dans sa musique, c'est son courage de rompre avec toute tradition. Et je ne connais pas un moment de sa musique où il fait un retour à ses ancêtres. Oui, il les a consommés, il les a utilisés toujours. Les ancêtres sont toujours présents dans sa composition, mais jamais sur le niveau de l'imitation. Jamais. J'ai toujours imaginé la musique et c'était presque toujours en marchant. Par exemple, marchant à l'école, comme petit écolier, 10 ans, 11 ans. Et ça durait 15 minutes. J'imaginais toujours une musique dans le style Beethoven, Mozart, Schumann, que j'ai connu de radio.
comme je suis né dans le centre de la Transylvanie, j'ai écouté la première fois beaucoup de folklore, joué au violon, chanté. Et l'influence, je peux dire, de folklore sur ma musique est hongroise, mais aussi roumaine. D'ailleurs, pour Bartók aussi, Bartók qui a recueilli le folklore hongrois, roumain, slovaque, il y a aussi dalmatien, turc. Il était aussi... C'est toute la musique que je connais très bien, mais pas de ma petite enfance, quand j'étais 6 ans, mais quand j'étais plus grand et que à Kolozsvár, et que c'était tellement proche, alors toute la ville était pleine avec des musiciens qui jouaient cette musique. Jó napot kívánok, elmentem el egy pocsírta. Elment, ha kinek. Hát ki tanulja meg soha még a világ? Ez vezeti az egész világot. Többi nincs, csak utánpótlás a zene. A hegedű olyan nincs a világon. Ebben minden hang megvan, minden ördög nyomorúság. Ha rosszul fogom, de ha jól fogom, tiszta az át. Ha rosszul fogom, fel... Fács. Úgy mondja, fács. Nem, nem, muzsikálás van. Érti, hogy hogy fejezem ki? Nem lehet, itt nem lehet játszani. Pontos kell legyen, mind a mi atyánk. Itt maga kell megkeresse a hangot. Itt nincs készen a hang, csak ennyire van készen, hogy üvesen elhúzom. A többit mind kéz alatt kell legyen. Na itt van a hiba a heged, még a torgonával könnyű játszani, meg zongorával nem semmi. Készen a hang, csak le kell ütni. Ha maga nem érti a hangot, une mémoire que je l'ai rencontré, mais il doit être aussi quelqu'un de 25 ans. Il a une ce qu'il a expliqué de la, il a raconté l'essence de la musique, vraiment. Je voulais toujours apprendre la musique, d'abord le violon, puis mon frère a appris le violon, le piano. Mon père était très... Il voulait que je sois scientifique, pas des leçons de musique. Moi, j'ai voulu, mais... Alors, il a voulu que moi, je fasse la science qu'il ne pouvait pas faire. Ça veut dire apprendre la chimie, la physique, la biologie. Quand même, j'ai beaucoup travaillé le piano, même qu'à la maison, il n'était pas de piano. J'ai écrit naïvement pour le piano, j'ai connu quelques violonistes avec qui je jouais beaucoup des sonates. Ah, là, j'ai eu la permission de mes parents qu'on loue un piano. Comme ça, j'ai eu dans la... une pièce où j'ai habité avec mon frère ensemble. Piano, j'ai beaucoup joué avec mon frère qui était très bon violoniste et aussi alto. Il s'est spécialisé à l'alto. Mais il était tué dans, par les nazis dans l'an 45 à Mauthausen. Mais, alors, j'ai toujours cru que je serais grand scientifique avec le prix Nobel et aussi découvrant le secret de la vie, et je serai aussi compositeur. Mais quand j'étais 18, je me rendais compte que c'est pas possible tous les deux. Mais ce n'était pas moi qui a décidé, c'était la politique qui a décidé. Dans l'an 41, en Hongrie, même qu'il n'était pas encore allié de l'Allemagne nazie, était déjà quelques lois de restriction contre les juifs, pas des lois qui mettent en danger la vie, mais c'était les numerous clauses pour les juifs. Ça veut dire, par exemple, on pouvait entrer dans la lycée hongroise deux juifs. C'était tout, une banque qui était séparée.
on a pris un seul étudiant d'origine juive et ce n'était pas moi. On m'a beaucoup demandé, moi que je vienne d'une famille hongroise d'origine juive, comment c'est possible que moi je prends un texte de la liturgie catholique sans être croyant. Je ne suis pas croyant ni aujourd'hui, mais je ne suis pas athéiste. Il y a d'autres possibilités. C'était une idée plutôt musicale. Une musique qui reste pour toujours, qui... Il y a un paysage qui est toujours là. Nous ouvrons une fenêtre sur un paysage. Après un temps, nous fermons la fenêtre. Mais la musique était là. Et je l'écoute, mais il a déjà sonné depuis toujours, la musique des sphères. Et il va toujours continuer à sonner. C'est une pièce de haine et de peur, et une pièce sinistre et démoniaque, où je prends le texte, surtout le texte color, multicolore de Dies Irae. D'ailleurs, Le Grand Macabre, mon opéra, c'est le deuxième requiem, c'est la même chose. C'est la peur de la mort et la combinaison de la peur avec l'humour. Quand j'étais enfant en Transylvanie, les choses les plus impressionnantes étaient les foires. Les paysans roumains qui venaient avec les ours, avec un anneau fait danser les ours. Je pense à Jeu de marionnettes, mystère, danse de mort. Parce que le Grand Macabre, c'est l'ange de l'amour. Alors, Le Grand Macabre a un côté requiem, c'est la fin du monde. C'était quelque chose qui était très proche de moi, imprégné par la peur du mort, depuis quand j'étais très jeune. Et les tableaux de Broch et Breugel avec les monstres m'ont beaucoup, beaucoup impressionné quand j'étais encore enfant. J'ai vu ça comme reproduction. C'était une source de requiem. Beaucoup plus qu'une musique liturgique catholique, c'est une musique de deuil qui cache des autres choses. Mon révolte contre les nazis et contre le communisme. Ma mère a déjà revenu. Elle est revenue en avril 45 de Auschwitz, qui était une grande chose parce que j'ai cru qu'elle est morte. Mais elle a revenu le seul. Il était encore une espérance pour mon frère, pour mon père, mais après, on a vu que l'espérance est en vain. Écoute, on ne parle pas de comment dire, situation de l'état d'esprit, parce que si je veux donner une idée de désolation et du deuil qu'on a vécu, ça serait un peu pathétique et sentimental. On était naturellement totalement choqués. Et c'était très, très vite, parce que d'une vie assez normale, en 44, on a très, très vite passé dans une situation de déportation des juifs, de la guerre, de la destruction des villes. Après la guerre, et deux possibilités, aller à Budapest ou aller à Bucarest. La possibilité d'aller en Ouest, par exemple à Paris, qui était un rêve, j'ai pas vraiment pensé. C'était tellement loin, c'était tellement un autre monde, c'était tellement difficile de passer les frontières.
Alors c'était mon décision au faveur de Budapest. Et je dois vivre comme étudiant seul et voir comment je peux me débrouiller. C'était la même difficulté à Bucarest qu'à Budapest. Je voulais connaître Bartók, il était mon idole. Même si on ne peut pas travailler plus à Bartók parce qu'il était déjà âgé, mais on veut être dans l'entourage de Bartók. Et j'ai allé chaque jour à l'académie et c'était un drapeau noir sur le bâtiment. On vient d'apprendre que Bartók est mort à New York. L'Académie Franz Liszt a eu une certaine aura, un rayonnement. L'enseignement à l'Académie Franz Liszt était totalement traditionnel. On n'a pas dépassé Wagner. Et c'était un enseignement que je juge aujourd'hui très sévère, très clair. Et c'était une très bonne école et ça m'aide jusqu'à aujourd'hui beaucoup. La vie quotidienne, qui était tellement dure matériellement après la guerre, a commencé d'être moins dure vers l'année 47-48. L'économie, qui était encore privée, a très, très progressivement s'amélioré. Tout qui était sous pression dans le temps nazi a commencé à fleurir. Toute la culture moderne, la musique moderne, la littérature, la peinture étaient tolérées. C'était la grande liberté. Puis, fin de 48, c'était la totale prise du pouvoir des communistes. Et c'était un changement dans la vie quotidienne pour tout le monde, pas pour les artistes, pour tout le monde. Assez brusque pendant les mois d'hiver 48-49. Et c'était basé sur une chose, c'était la peur. Et la peur était basée sur un fait, c'est la d'être fusillé, ou d'être tué, ou d'être pendu. C'est tellement simple. Là, au milieu, le petit monsieur chauve. Il était le terroriste, le chef terroriste.
Voilà, comme tous les dictateurs qui ont tué beaucoup de gens, ils embrassent les enfants. Aussi, le claquement rythmisé. Si j'entends ça dans des concerts parfois, j'ai peur, parce que ça pour moi est le terrorisme. Et moi, j'étais considéré quelqu'un qui est un peu dangereux, qui est ennemi du peuple, parce que une fois, j'osais de montrer une pièce de Stravinsky à mes élèves. C'était absolument un crime. J'aimais beaucoup l'ambiance de l'Académie Franz Liszt. C'était comme une île dans la mer de la dictature stalinienne. Tout qui était art moderne, Picasso, Klee, Miro, tout était éliminé. C'était coupé, comme couper la gorge. On a eu des normes stylistiques, c'était le réalisme socialiste qui était imposé. On a toléré la direction de Kodály, qui était folklore hongrois, parce que c'était encore accepté comme un ornement un peu nationaliste sur le contenu qui était prescrit, qui était socialiste. Alors, sur le plan politique, était jugée dangereuse la musique contemporaine, la musique de l'Ouest. La dodécaphonie était considérée comme quelque chose, c'était l'œuvre du diable. La musique même, la musique de Bartók. Nous avons analysé, nous avons fait tout nos possibles pour pouvoir avoir des informations de ce qui se passe au dehors de nos frontières. Il y avait des canaux où cette musique pénétra quand même. On a eu peur avant, quand Staline était le dictateur. Et on a eu peur après, parce qu'on a eu peur que ceux qui vont continuer soient encore pires. On ne savait pas. Et quand la révolution a éclaté, 56, qui était une chose spontanée, ce n'était pas prévu, c'était un moment quand les mains de fer de ce système communiste étaient pour un moment hésitants. Parce que c'était la critique que Khrushchev a dit sur le 20e congrès du Parti communiste à Moscou, que Staline, peut-être, il était pas même un très grand communiste, mais un criminel. Ce sont exactement les images que j'ai vécues comme ça sur les rues. Là, déjà, les luttes ont commencé. C'est l'autre jour, le 24. C'est, je crois, les maisons de Radio Hongrois. Et c'est écrit Radio Hongrois Libre. C'était pendant une semaine, peut-être. Et bien.
Déjà en 55, 56, on pourrait écrire des lettres. Et Stockhausen m'a écrit une lettre que le 7 novembre, Gesang der Jünglinge va être... Stockhausen m'a indiqué le jour et le temps. Tout le monde était dans les caves et moi, c'était dangereux, mais moi, j'ai allé seul dans le bâtiment au radio d'écouter ça. Et ça me fait une très, très, très profonde impression musicale parce que ça a ouvert tout un style que je n'ai pas connu. À ce moment-là, quand on a encore eu un espoir que les Russes vont quitter l'Hongrie, et l'Hongrie devient comme ça un État demi-socialiste, demi-libre, je ne voulais pas quitter l'Hongrie, je voulais rester là. C'était aussi un risque de partir. Chez moi, si je dois décider si c'était plutôt des raisons artistiques ou raisons politiques, je voudrais décidément dire raisons politiques. Je ne pouvais pas vivre dans sous des conditions où toute la population était plus que prisonnier. On était des otages dans les mains des terroristes. Ce ne sont pas seulement des causes politiques, mais pour créer une musique contemporaine, il faut avoir une atmosphère. La composition, ce n'est pas une question de style, c'est une question de regarder la vie, de regarder... C'est une question d'idéologie, la composition. Les conditions d'ici en Hongrie étaient telles que ça aurait été impossible de parcourir une carrière musicale comme la sienne ici. Il a très bien choisi l'immigration. C'était le mythe, on doit avoir une brosse de dents et pas de dentifrice. Pourquoi, je ne savais pas. On n'a pas eu la possibilité de se brosser les dents parce que... Ce que j'ai pris seulement, c'était une petite serviette où j'ai eu le manuscrit de mon premier quator parce que je voulais avoir une pièce à jouer. Maintenant, les gens qui passent la frontière, comme moi. Ça restait toujours une haine, une agressivité en moi, même si je ne montre pas. Si, superficiellement, je suis quelqu'un qui... avec de beaucoup de,
Je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un qui est gentil, qui invite les gens, comme ça, un peu. Peut-être c'est une réaction contre les choses que j'ai vécues. Mais dans la base, il y a une sombre, une noire haine et agressivité en moi. Elle était comme ça, un rêve d'aller en Suède, dans les pays scandinaviques, parce qu'on a eu un rêve en Hongrie, que ce sont des pays sociaux. La première idée était dans un pays où on ne peut pas mourir de faim. Et moi, j'étais intéressé d'aller en Allemagne, dans le studio électronique, à cause des raisons de musique. C'était vraiment arrivant à Cologne, aussi avec le cœur battant, parce que je ne comprends rien, je suis ignorante, quelqu'un qui était coupé toujours de ce que mes collègues en Ouest font. Et j'arrive immédiatement dans le centre qui était Cologne, dans l'endroit où Stockhausen et König travaillaient. Bruno Maderna était là, Franco Evangelisti était là. Je voulais aussi voir Boulez parce que j'étais très intéressé de sa musique sans la connaissant avant. J'ai travaillé presque 3 ans dans le studio électronique à Cologne, les années de 57 jusqu'à 59. Dans ce temps-là, où on n'a pas utilisé encore l'ordinateur et le synthétiseur, le travail était quelque chose de manuel. On produit la sonorité, on coupe des petits morceaux, on organise le rythme et c'est comme une voix dans la polyphonie. Et je laisse le studio parce que je n'aime pas tellement le son qui vient de l'autre parleur et je transpose mon expérience sur l'orchestre. Ça veut dire, par exemple, atmosphère, l'idée ne pouvait pas venir sans l'expérience dans le studio que je peux superposer n'importe combien de couches. C'est une amplification de l'idée du studio. Ce n'est pas l'ordinateur qui va inventer, qui va créer les compositions, c'est l'interaction compositeur-ordinateur. Un autre aspect est que pendant que dans les années 50 et 60, cette formation européenne était dominée par cette société, Stockhausen, Boulez, Pousseur, Maderna, qui ont développé ça, qu'on a nommé plus tard musique sérielle. Ça veut dire toute une constellation de gens qui sont contre Stravinskien et contre Hindemithien et pro Webern. Après coup, je peux dire que c'était une clique, c'était une mafia. Moi, je suis membre de cette mafia. C'est une très bonne mafia. On ne peut pas dire que c'était la musique moderne, c'était une certaine direction. Au
aujourd'hui même, les gens cultivés qui vont dans à l'opéra, qui vont dans les concerts symphoniques, ils ont très peu accès aux compositions. Et ce fossé entre le public et la création des compositeurs, qui a commencé déjà de Wagner et depuis Wagner et Debussy, qui s'approfondit dans le tome de Stravinsky et Bartók et Schoenberg, est encore plus profond depuis la Deuxième Guerre, quand ce groupe de Darmstadt-Cologne-Paris a commencé une direction absolument sans occuper si on comprend ou on ne comprend pas. C'est vraiment une direction hermétique. Comment je peux produire des illusions musicales qui ont la même valeur, mais la même significance, comme les illusions qui sont visuelles. Je prends une forme musicale que j'imaginais, qui est continuelle, une très graduelle transformation d'une harmonie statique. Mais je le coupe dans des tranches. Pensez un paysage, vous êtes dans le train, vous le passez très vite, vous voyez le paysage qui est... Mais le paysage est coupé dans des tranches, oui. Alors, je prends un paysage et je le détranche. Je fais quelque chose de très très semblable dans la pièce Continuum pour clavecin. Quand nous écoutons la pièce, après un certain temps, nous oublions les tranches. Nous le regardons comme un paysage ou comme une unité. Le barreau n'existe plus dans notre... Nous l'entendons, mais nous oublions. Et ce que nous entendons sont des formations rythmiques irrégulières qui sont beaucoup plus lentes que... Le vrai rythme joué, c'est égal et très vite. Et le rythme est résultat d'une certaine statistique, d'une certaine répartition des auteurs. Et cette idée, j'ai développé beaucoup, dans une plus grande complexité, dans le monument, après, dans le monument pour deux pianos. Je récapitule. Le premier, c'est vraiment sauvage, mécanique, brutal. Couteau. Toute la première pièce. La deuxième pièce, les dentelles. Un statisme, mais tension. Le canon fortissimo, impitoyable. Et puis, vous avez ce diminuendo très progressif. Et puis le Chopin énormément tourmenté, énormément, et énormément féroce. Et puis le ballon qui est, comment dire, vous le soufflez dans le ballon, l'air,
Et ça augmente. C'est déjà impossible, ça augmente. Film, dessin animé, comme ça, augmente et coupé. Surtout dans les études et encore plus le concerto de piano et maintenant le concerto de violon, je suis beaucoup, beaucoup influencé, pas du folklore africain, de la culture ethnique, mais de la pensée polyrythmique, très complexe. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la polyphonie des différentes couches subordonnées, sous-ordonnées ou égales. Ça veut dire que je suis enthousiasmé, ce sont les tissus polyphones. Et je veux faire évoluer une nouvelle polyphonie. Il y a beaucoup d'autres implications. Par exemple, j'ai, comme beaucoup de gens, très grande peur des araignées. Et alors, les grands tissus, comment on dit ça, les toiles d'araignée, c'est quelque chose qui me fascine et j'ai peur. Et alors, beaucoup d'aspects de ma musique ont fait quelque chose avec les toiles, aussi les pêcheurs, les toiles des pêcheurs, et tout ce endroit. La topologie des nœuds, par exemple, joue un très grand rôle dans ma pensée. Je vous montre un exemple de mon concerto de piano. Je vais attendre le moment quand ça devient fou. Immédiat. Il y a déjà deux couches. Maintenant, on va venir une troisième couche. Voilà. Les deux mains sont différentes et l'orchestre est différent. Etc. Très peu connu. C'est quelqu'un qui combine le jazz avec la pensée de Johann Sebastian Bach et avec une pensée rythmique métrique qui est totalement fou en combinant, en faisant des canons dans des différentes vitesses qu'on ne peut pas faire humainement. La polyrythmie que j'ai déjà développée était beaucoup renforcée en moi par l'influence de Negro. On a des intérêts communs, intérêts dans les mathématiques, intérêts dans les musiques, différentes musiques ethniques, Afrique, et Asie du Sud-Est, musique latino-américaine, musique hindoue, beaucoup de choses. J'utilise la technique des éléments, pulsations élémentaires ultra rapides africains pour réaliser des complexités rythmiques qui sont proches d'un Nkero, mais avec un instrumentaliste vivant. L'interprète joue des rythmes différents en même temps, même des vitesses différentes. Dans l'automne à Varsovie, il y a des environs avec 2, 3, même 4 vitesses différentes. Et pour moi, la technique instrumentale, vocale et la technique de composition ne sont jamais quelque chose qui sont un but à eux-mêmes, mais qui servent toujours pour la poésie.
une certaine idée générale, une vision de ce que je veux faire dans la musique. Mais je n'ai pas un système qui est prêt, ou un système sériel, ou aléatoire. Je n'utilise aucune de ces idées. J'ai aucun dogme général. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que je vais composer après la pièce que je compose maintenant. Parce que je me trouve un peu comme dans un labyrinthe où je suis aveugle. J'ai arrivé dans un certain endroit et maintenant je cherche très 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 graduellement à toujours des nouvelles possibilités. Je ne veux pas rester au résultat que j'ai. Où j'ai abouti. Quand j'ai un résultat, je cherche de nouveau un nouveau endroit. J'entre dans un nouveau couloir dans le labyrinthe sans savoir où ça va mener. Je ne connais pas le futur. Your father's only son. It must be you. Mon prochain projet, c'est pas une opéra. Ce que j'ai projeté, c'est l'œuvre de Lewis Carroll. Pas seulement Alice in Wonderland, Through the Looking Glass. Ça serait quelque chose de très fou, très profond et très léger. When you walk a little faster, said a winding wheel. Will you walk a little faster, said there's a pompous ghost behind us. Please, that is trending upon my bite. A little faster, said see how we can think the lotus, the sand, the chat. There's a pompous ghost behind us. Still, are we trending upon the bite? Good will you come and run the cross? Little faster. When they take us up and throw us, we must have to stop the snail. Little faster. Little faster. Walk. Little faster. Et ce attitude, comme dans les Pickwick Papers de Dickens, des gens qui sont sérieux mais qui ont une petite extravagance. Une petite extravagance qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas vécu pendant un temps en Angleterre. Ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. The tongue of pain is not itself, but come and join the dance. Will you walk? 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 Si on me demande à qui je compose, je dis à personne. À moi-même, ça veut dire non, même pas pour moi-même. Je fais la chose parce que la chose m'intéresse, parce que j'ai le besoin intérieur de produire ces pièces de musique. Et à ce moment-là, je prétends, peut-être c'est trop optimiste, que si je fais quelque chose où je donne tout mon amour, tout mon esprit, toute mon concentration dans un résultat qui n'est pas découpé de la société, ce résultat va avoir, même si je veux ou je ne veux pas, une certaine valeur culturelle générale, mais pas immédiate. Ce sont les valeurs spirituelles qui restent. Passeport. Mon passeport, c'est autrichien.
Alors, je suis un juif hongrois né en Transylvanie. Après, avec nationalité roumaine quand j'ai né, je suis né. Après, j'ai eu la nationalité hongroise quand j'étais à Budapest. C'était très difficile de l'acquérir. Après, je m'enfuis après la révolution de 56 à Vienne et j'ai vécu. Je suis devenu pas occidental, mais quelqu'un qui est dans tous les deux mondes, à racine dans tous les deux mondes.